Tu veux savoir d'où je viens? Moi, je suis un ancien batteur de jazz, ancien Fnacman, ancien plein de boulot autour de la musique en fait. Et voilà, c'est suite à la Fnac en fait que j'ai fait ma formation à l'IRMA il y a 10 ans. J'ai commencé mon expérience professionnelle dans la publicité et j'étais créa, ce qu'on appelle créa dans la pub. J'étais commercial, je travaillais dans la finance. Mais je vivotais dans la musique depuis quasiment 10 ans, de manière très bénévole. À la base, j'étais juriste et je me suis embarqué dans cette radio où j'ai fait plusieurs choses, programmation, presse, com, antenne, animateur, journaliste, enfin bref, un peu plein de choses. J'ai fait une CAGNE, une PodCAGNE, après une licence de philo. Et ensuite, je suis partie en Finlande un an et j'ai bossé comme... responsable de projet culturel dans une organisation pour la paix. Une fois que j'ai suivi des cours au CIM, Centre d'information musicale, et à la sortie du CIM, j'ai décidé d'en faire mon métier et de passer musicien pro. J'ai fait ça pendant 8 ans. Après, donc, j'ai rebondi sur. J'ai trouvé une opportunité dans l'informatique. Et donc, j'ai travaillé dans l'informatique, dans une grosse boîte de sous-traitance informatique. La musique me manquait quand même pas mal. Et j'y suis resté 7 ans. Et au bout de 7 ans, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de revenir à la musique. Donc, j'ai monté une école de musique associative. Et suite à ça, on a décidé avec des amis de se consacrer à la création d'un lieu dédié au jazz. C'est quand même... avec Issoudun, la seule formation en France qui soit appliquée, on va dire plus spécifiquement, au champ des musiques actuelles. Donc c'est quand même un gage d'exception sur le territoire français. J'ai trouvé la formation vachement bien parce qu'elle elle part des fondamentaux de notre organisation. On va dire presque politique, parce qu'il y a un peu d'histoire constitutionnelle au début. Je ne sais plus si ça commence comme ça. Enfin, pour faire comprendre quels sont les acteurs de la musique, on part du cadre de la société, du cadre politique. Je suis sûr que la théorie, puisque c'est de ça dont il s'agit quand même au départ, que la théorie de ce qui est enseigné à Nanterre est un plus pour ceux qui bénéficient de cet enseignement, dans la mesure où les personnes qui aujourd'hui sont en place dans le secteur des musiques actuelles, majoritairement, n'ont pas acquis cette théorie-là. J'ai vraiment tout appris avec cette formation-là, aussi bien au niveau du disque que du spectacle vivant, parce que finalement, la formation de l'IRMA, formation longue, elle touche ces deux tableaux-là. Dès que vous avez des tubes de projecteurs, dès que vous avez des porteurs, dès que vous avez des supports pour matériel, systématiquement sur ces supports doit être indiqué avec une étiquette de couleur rouge sur fond blanc ou voilà, quelque chose de très physique, vous pouvez voir comme vous voulez, mais les CMU, c'est-à-dire la charge maximum utile, on peut mettre sur ces tubes. Et c'est très important la théorie, très très important. Ça permet de mieux comprendre ce que l'on fait, de mieux comprendre les modèles économiques et d'embrasser, j'ai envie de dire, la réalité avec un point de vue plus large que le seul point de vue des faits. Elle est vraiment axée sur l'économie, la gestion des projets musicaux. Donc, a priori, on va plus parler d'économie et de gestion que de création musicale. C'est un peu le cadre, c'est le business. C'est un peu la base parce que la gestion, finalement, gérer un budget, ça se retrouve un peu partout. Aujourd'hui, moi, dans ce que je fais, ces connaissances-là, elles me servent. À ma connaissance, des formations de ce type-là, il y a Nanterre, cette formation-là qui est portée conjointement par l'IRMA
et Nanterre et des formations d'Issoudun qui sont nées de la même réflexion, on va dire. Et donc, qui sont des formations, à mon avis, assez adaptées aux besoins des entreprises, parce que ça forme des gens qui sont pratiques, qui sont dans la pratique, qui sont dans la pratique et qui sont sur le terrain. Quand je suis arrivée chez PIA, c'est notamment la partie production photographique, ce que je fais maintenant. J'avais quand même un minimum de connaissances qui me permettaient de pouvoir tout de suite taffer, en fait. La particularité de ces formations-là, c'est d'une part cette approche assez métier, vraiment métier, et puis d'autre part que c'est une formation dans laquelle les intervenants sont des professionnels en activité, ce qui les démarque des formations universitaires, et ce qui fait que dans ces formations-là, les gens, pendant leur formation, rencontrent le métier, et le métier leur parle du métier. Et donc, ils sont à même de demander des compléments d'information, de rencontrer, et de voir de quoi est composé le métier, et de créer des relations avec les entreprises, qui sont les entreprises qui vont les embaucher derrière. Ça va être très, très spécifique, et ça permet quand même d'avoir une bonne connaissance du secteur, et c'est quand même plus facile. Même si j'avais pas travaillé dans la musique auparavant, j'avais pas fait 10 stages, quand je suis arrivée, j'avais quand même un bagage qui me permettait de comprendre rapidement comment ça fonctionnait. Moi, ça m'a surtout apporté un réseau, en fait, et plein de gens, de connaissances, de contacts que j'ai toujours aujourd'hui, qui sont dans différents corps de métier, et qui, enfin, on interagit entre nous, et on échange beaucoup. Moi aussi, ça m'a apporté du réseau, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, les étudiants avec lesquels j'étais en formation, aujourd'hui on a des postes dans des salles, dans des festivals, dans des structures quelconques. Et forcément, on partage les uns les autres nos réseaux, nos connaissances pour pouvoir faire avancer le projet. Après, d'un point de vue strictement technique, rien ne remplace la pratique. Depuis quelques années, on a monté ce qu'on appelle le projet tutoré, que je suis avec Bertrand Mougin. Qui consiste à faire en sorte que les élèves en groupe simulent des créations d'entreprises dans différents secteurs du domaine musical. Donc ils sont amenés à créer soit une structure d'édition, soit un festival, soit une structure de production de tournée, soit encore un label. Moi j'en avais vraiment besoin parce qu'en fait c'est vrai que j'avais qu'une idée des choses, mais du côté versant musicien. Donc on ne cerne pas trop ce qui se passe derrière, on sait qu'on a des contrats, on joue, voilà, mais toute la machinerie qui est derrière, tout ce qui est organisationnel, voilà, on ne maîtrise pas trop. Et donc ça m'a permis d'asseoir un petit peu le projet, et puis même s'il était bien avancé, d'affiner les choses, petit à petit de cerner un peu mieux les difficultés nombreuses qui allaient m'attendre, même si on en découvre tous les jours d'autres, mais en tout cas ça permet d'asseoir un petit peu les choses et de pas partir dans le flou, quoi. Et l'idée, c'est d'amener à structurer le travail autour d'une pensée très précise et puis d'amener les problématiques au fur et à mesure, parce que l'idée, c'est une méthode qui, a priori, permet d'aborder l'ensemble des problèmes dans un ordre et surtout de se dire, bon, on n'évite rien du tout. Donc, et après, donc, là-dessus, il y a donc, on va dire, une première partie qui est méthodologique, hein, donc générale, avec une vision, comment on peut on va dire, appréhender une manifestation. Et puis après, il y a un gros corpus administratif qui permet d'illustrer et d'encadrer cet ensemble-là, puis après d'amener sur la dernière partie, qui est, on va dire, la méthodologie réelle, concrète, sur l'organisation d'une manifestation. La problématique, c'est de vous dire, voilà, j'ai un tourbus qui débarque. Donc déjà, la problématique d'accès, vous la voyez déjà. Tourbus avec en plus la remorque de trailer derrière. Donc ça veut dire que le bus éventuellement peut s'arrêter quelques secondes. Mais il faut prévoir déjà un paquet de bras pour gérer le trailer. On est en pente. Et comme on est en pente, c'est déjà voilà, un premier risque. Déjà dans le cadre du travail, hein, c'est de ne pas arriver à se mener le trailer qui est trop lourd. Et au moment du décrochage, c'est de se retrouver avec le trailer qui finit au milieu de la rue. Quoi. Cette formation, elle a permis de voir un panel de choses. Et après, voilà, aujourd'hui encore, je relis mes cours. Hein, parfois, je prends des petites choses de temps en temps, des petites choses qui m'échappent. Surtout comme dans le spectacle, parfois on est confronté à des problématiques sur le disque, je sais plus faire, ou sur l'édition. Donc voilà, je regarde, je relis. À mon avis, on ne peut pas s'exonérer. Quand on veut vraiment travailler dans le secteur de la musique, que ce soit dans le disque, ou à mon avis... En tant que musicien ou gérant de salle de spectacle, on ne peut pas s'exonérer de ce type de formation.
pour quelqu'un comme moi, enfin dans mon cas de figure, à 44 ans, c'était vraiment la formation idéale, quoi. Donc je regrette absolument pas.